Bienvenue à la balado-diffusion d'aujourd'hui sur les motifs de refus courants et les principaux conseils pour soumettre une demande de subvention et d'immobilisation. D'abord, nous voulons souligner les principales raisons pour lesquelles certaines demandes ne sont pas acceptées. Il est important que vous ayez toujours à l'esprit durant la présentation. Nous avons élaboré notre liste de conseils pour vous aider à éviter ce que nous estimons être les motifs les plus courants pour lesquels certaines demandes sont refusées. Le motif le plus courant d'un refus d'une demande de subvention d'immobilisation est la faible compatibilité avec le résultat de subvention choisi. Il n'est pas suffisant de décrire le besoin lié à votre projet ou aux réparations et rénovations. Vous devez décrire l'impact que la réalisation du projet d'immobilisation aura sur les personnes qui utiliseront l'espace. Deux autres motifs de refus courants comprennent pas d'informations ou trop peu de détails inclus aux notes budgétaires et un manque d'explication sur la manière dont le projet proposé avantagera la communauté. Voici donc les 10 conseils principaux pour éviter le refus d'une subvention d'immobilisation. Numéro 1. Insister sur les personnes d'abord et non seulement sur l'activité d'immobilisation. Déterminer qui en bénéficiera et comment. Donc, plutôt que simplement mentionner que vous avez besoin de financement pour remplacer un toit qui coule, insistez sur la façon dont les utilisateurs de vos locaux en bénéficieront. Par exemple, vous pouvez décrire, après l'installation d'un nouveau toit, nous offrirons 20 nouveaux programmes de mise en forme à environ 300 aînés par semaine. Numéro 2. Choisissez le résultat de subvention, l'effet prioritaire, et la mesure qui sont les plus compatibles avec votre projet. Donc, déterminez comment votre projet concorde avec l'un de nos 9 résultats de subvention d'immobilisation. Les mesures peuvent inclure au moins un de ces chiffres suivants, selon votre résultat de subvention et relativement à votre projet de la FTO. Donc, 1, surface d'espace nouveau ou rénové en pieds carrés ou en kilomètres, le nombre d'heures additionnelles disponibles, ou l'aire touchée, donc en kilomètres ou encore en kilomètres carrés. Si la FTO finance seulement une partie de votre projet, incluez seulement les mesures cibles pour les coûts d'immobilisation de la FTO. La FTO n'exige pas de mesures pour l'achat d'équipement. Numéro 3. Déterminez l'échelle et la portée de votre projet d'immobilisation et comprenez les exigences relatives à la source d'investissement immobilisation de la FTO. Le montant minimal est de 5 000 $ et le montant maximal est de 150 000 $. La durée de votre projet pourrait persister jusqu'à un an, mais remarquez que 10% de la subvention sera retenue. Cette portion sera versée si l'examen du rapport final est concluant. Numéro 4. Étudiez les politiques de la FTO. Lisez les politiques de la FTO, particulièrement la politique d'admissibilité et la politique de subvention d'immobilisation, pour vous assurer que vous y êtes conforme. Numéro 5, déterminez votre demande de budget de la FTO. Les coûts de chaque élément d'immobilisation doivent être déterminés par vous à l'avance de votre demande. Les coûts admissibles sont rénovation ou réparation d'espaces communautaires, construction de nouveaux édifices avec preuve de besoin, installation extérieure, l'achat de terrain ou d'édifice, l'achat d'équipement et des frais d'élaboration jusqu'à 20% du budget total demandé. Incluez seulement le montant de TVH non remboursable, les salaires des employés, les coûts pour imprévus, ainsi que les frais généraux et les frais administratifs ne sont pas admissibles. N'incluez pas de coûts non admissibles dans votre demande de budget. Et notez que les éléments de plus de 10 000 $ nécessitent deux devis écrits. Demandez une subvention qui correspond à vos besoins, non pas à ce que vous croyez ce que nous financerons. Numéro 6. Obtenez une preuve de propriété ou un contrat de location. Une preuve de propriété ou un contrat de location de 5 ans est nécessaire dans tous les cas de rénovation ou d'amélioration du terrain ou de la propriété, incluant l'équipement permanent. Numéro 7. Procurez-vous les personnes nécessaires pour accomplir votre travail. Déterminez qui supervisera votre projet.
Si vous n'avez pas l'expertise au sein de votre organisme, trouvez un bénévole compétent à l'extérieur de votre organisme pour coordonner le travail. Numéro 8. Déterminer la date de début appropriée. La FTO ne finance pas les activités de façon rétroactive. Assurez-vous que la date de début de votre projet se retrouve après l'annonce publique des subventions d'immobilisation. Pour plus d'informations sur les dates limites, consultez notre chemin critique d'octroi de subvention sur notre site Web. Numéro 9, prenez des photos. Pour les projets de rénovation, vous devez fournir au moins une photo montrant l'état actuel des lieux avant les rénovations. Si vous remplacez du vieil équipement ou de l'équipement désuet, prenez une photo de votre équipement actuel ou l'avant et fournissez une photo de l'équipement que vous désirez acheter après. Encore, si vous achetez de l'équipement neuf, incluez une photo de ce que vous désirez acheter. Et finalement, numéro 10. Ayez obtenu les documents requis et assurez-vous qu'ils sont disponibles durant l'évaluation des subventions, c'est-à-dire ayez-les au moment de soumettre votre demande. Ces documents sont deux devis écrits pour tout élément d'une valeur de plus de 10 000 $, la preuve de propriété ou contrat de location de 5 ans pour toute rénovation ou amélioration d'un terrain ou d'une propriété, et l'entente de collaboration s'il y a lieu. Les documents mentionnés ci-dessus n'ont pas à être joints dans la demande de subvention. Cependant, vous devez les avoir déjà obtenus et les avoir sous la main durant 6 ans si votre subvention est approuvée. La FTO pourrait aussi vous les demander durant le processus d'évaluation des subventions.